Bonjour Étienne, bonsoir chez vous. Aujourd'hui sur notre plateau, nous avons le plaisir de recevoir nos deux confrères, Monsieur Patrick Kouba et Mademoiselle Charby Ouale. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis avec Jonathan qui travaille dans Olika Production. Hey Jonathan. How's it going? Good, good. Hi, Charby. Hi. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien. Soyez bienvenue en Amérique. Merci. Ok, et Patrick, ça va? Oui, ça va bien, Nat. Ça va très bien? Très, très bien. Ok. Sans plus tarder, nous avons reçu Patrick et Charby sur notre plateau aujourd'hui pour qu'ils puissent nous parler de leur film qu'ils avaient déjà produit il y a de cela. De cela une année. Il y a de cela une année. Aujourd'hui, ils sont là pour nous parler en long et en large. Sans plus tarder, Patrick. Donc, le film est intitulé Cocaine Light. C'est un long métrage. C'est un film 100% congolais, du moment où toutes les étapes de la production ont été faites au Congo par les Congolais. Et donc, c'est ça le film Cocaine Light. Et donc, si vous voulez, dans le film. Je suis scénariste, producteur et co-réalisateur. Ouais, le film est un film choral, ben, j'en parlerai plus amplement tout à l'heure. Qui est Charby et quel est vos rôles? Qu'est-ce que vous avez joué dans le film Cocaïne Light? Charby, c'est une Congolaise, en même temps elle est actrice. Okay. Elle a fait des études aussi en art. Je fais l'art dramatique, l'art dramatique. Et du théâtre. Et j'ai joué aussi dans le film, comme, en tant qu'actrice principale. Okay. Dans le film, je suis Rose. Dans le film, vous avez joué le rôle de Rose. Wow. Oui. Ok, Patrick, une fois de plus, vous pouvez me dire encore de quoi parle le film en fait? Cocaine Light. Il y a cocaïne, il y a light. Voilà, je me rappelle pas. Bon, le titre, c'est juste pour attirer les gens, ok? Et oui, et donc le film c'est un film de divertissement, le genre, je peux dire que ça s'inscrit dans le genre de film noir, ok? Ouais, donc c'est un film assez violent, et les sujets abordés dans le film, ce sont un peu des sujets un peu sensibles par rapport à l'Afrique, par rapport au pays d'où nous venons. Oui. Donc voilà. Et le film, c'est un film choral. C'est un film choral à plusieurs dimensions. Ok. Ouais. Et la première dimension, c'est qu'il y a plusieurs acteurs principaux, parmi lesquels il y a Papa Wemba. Oh, il y avait Papa Wemba qui avait joué dans Cocaïne. Oui, là. Et l'autre dimension, c'est que choral, pourquoi? Parce que c'est une co-réalisation, il y a trois réalisateurs. Et chorale parce que c'est une coproduction, ok. Il y a eu Kuba Film, Image Drama, okay. Et il y a une Uniproc, et donc voilà. Oh, ok, donc si je comprends bien, c'était on fait ces trois personnes réunies ensemble pour réaliser le film Cocaine Lab. Oui, oui, dans ce sens-là. Ouais, ouais, parce que c'est un défi qu'on s'est donné. On s'est dit, quand est-ce que on va déclencher en fait, comment on dit, l'industrie cinématographique congolaise, ok? Ok. Quand est-ce qu'on va le déclencher? On s'est dit, nous avons le potentiel, nous avons du matériel, unissons nos forces et travaillons. Et le résultat est là, Cocaine Light est né. Est né, ok. Ouais. Ben, en parlant de vos pays, Congo démocratique, c'était facile pour vous, puisque au début vous avez dit que le film est un peu violent et il y a d'autres caractéristiques donc au pays qui tout le monde peut s'asseoir et regarder votre film. Bon. Sans qui je pense que le film n'est pas tout public. Okay. Du moment où il y a un peu ce caractère là un peu violent. Ouais, violent pourquoi? Parce que on voulait présenter le côté obscur, ok, de la ville de Kinshasa, ok, et donc on a abordé des thèmes tels que l'homosexualité, okay, qui fait débat en Occident. Nous, on pointe du doigt l'Occident, alors que chez nous même c'est un sujet qui est d'actualité, mais on préfère le taire. Le film, on a abordé ce débat là, ce sujet là pour créer débat. Il y a le trafic de la drogue. Ouais. Ouais, et il y a un peu la mafia tout autour de la classe politique. On a essayé d'en parler pour faire débat. Ouais, donc en gros, c'est ça. Et ça n'a pas été facile.
Parce que vous savez, au Congo, il y a la liberté d'expression qui n'est que de nom. Qui n'est que du nom, Et nous, on s'est fait d'accord. violence, on s'est dit, pour que les choses changent, il faudrait qu'il y ait des gens Qui vont au-delà. Voilà. Et donc, nous, on a fait ce travail-là. Ça n'a pas été facile. Pour briser un peu le mur, là, Ouais. pour qu'il Et y il ait n'y a le pas film eu là, un qui se soutien du passe au gouvernement. Congo. On l'a fait seul. Vous avez fait Il y seul. a, ouais, Et c'est un grand c'était défi. facile. C'était facile. Ça n'a pas été facile du moment où le tournage, la production a commencé en 2014 et nous avons fini la production en 2015. Oh, ok. Ouais. Ok. Et vous, Charlie, vous avez quelque chose à ajouter? C'était facile pour vous en tant qu'une fille, tu vois, de jouer, d'avoir un rôle dans Cocaine Light, là où il y a la violence, il y a le sexe, il y a toutes les choses là, avec notre culture, tu vois, africaine et tout. C'était facile pour toi de jouer le rôle de Rose que vous avez joué? D'abord, c'était un plaisir pour moi de jouer ces rôles-là. Je trouvais ça magnifique, le rôle. Mais c'était pas facile aussi par rapport de voir d'autres scènes, tu vois. Mais c'était agréable. Après, j'ai vu ça, c'était vraiment agréable de jouer ces rôles-là. Parce que Rose, c'est vraiment une fille perturbée. Elle n'a jamais connu son père. Tu vois, elle était prête à tout, de faire ce qu'elle veut. C'était magnifique, c'était un plaisir pour moi de jouer ce rôle-là. Je veux ce rôle-là. Ok, Jonathan, you have something to say here about the movie Cocaine Light. So, I noticed that you got some celebrities in your film. How'd you manage to get them to come into your film as well? Ouais, Jonathan voulait savoir, parce que là, quand vous parlez, vous avez mentionné dans Grande Célébrité qui est Papa Wemba, qui a joué dans votre film Cocaine Light. C'était facile pour vous d'approcher quelqu'un comme Papa Wemba. Il est quand même grand au Congo, il est comme Michael Jackson ici chez nous, hein, en Amérique. Ouais. Ouais, comment c'était facile pour vous d'approcher? Bon, Papa Wemba, paix à son âme, l'approcher, c'était facile. C'était Ok. facile. Le fait même qu'il s'appelait Papa Wemba, il était papa, le papa de tout le monde. Okay? Moi, personnellement, je l'avais considéré comme mon papa. Oui, c'était facile. Il avait adhéré dans le projet facilement. Et comme la production se faisait au même moment qu'il préparait son album Maître d'école, on a dû réajuster beaucoup de choses par rapport à son personnage. Ouais, parce qu'il avait beaucoup de volume d'intervention, on a dû réduire parce qu'il n'avait pas le temps. Et donc, c'est un peu ça. Et la meilleure dans tout ça, c'est que Papa Wemba, le film, c'est son dernier rôle. C'était dans le rôle qu'il a joué. Oui, Ouais. et Je me son. rappelle d'un film là qu'il avait joué il y a longtemps, c'était La vie est belle. La vie est belle. Là, il y a longtemps, on était des Oui, bébés à l'époque, et hein. c'était son tout premier rôle en tant qu'acteur de film de fiction, La vie est belle. Et le réalisateur de ce film-là, c'est Monsieur Ngangura Mwenze, Dieudonné Ngangura Mwenze. Et ce monsieur-là, il se fait que c'est mon mentor. Oh, ok, j'ai Et votre donc, mentor. lui, il a ouvert la porte Il a ouvert pour la Papa porte aussi, Wemba, ouais. mon mentor, et moi, j'ai fermé la porte. Ouais, et donc, ça a été un grand honneur Un grand de honneur, et travailler c'est quelque chose avec. de bien pour les gens qui aimeraient encore Oui, revoir Papa Wemba oui. l'action et tout. Ouais. Quand vous regardez Cocaine Light, vous allez voir les coraux dans ce oui. film-là. Oui, et C'est c'est quelque un hommage vraiment que nous allons lui rendre ici à Atlanta. À Ouais. Atlanta ici, ben, en fait aussi, votre présence ici, pourquoi vous êtes venu en Amérique, en fait? Je suis là vraiment pour la promotion du film, Ok. pour inviter d'ailleurs nos fans d'Atlanta. Ok, Donc, Atlanta, vous avez vécu oui, ici, hein? inviter nos fans pour voir la projection et que les Congolais aussi, ils ont la capacité de tourner un film. Tu vois, on a du talent en Afrique, Of course. mais beaucoup de gens ne sachent pas qu'il y a des gens qui peuvent tourner aussi des films. C'est pour cela que j'invite déjà nos fans d'Atlanta. En tout cas, j'aimerais bien voir nos fans d'Atlanta. Je vous attends. Ok, Atlanta est-il alors? Comme Charbi vient de dire, elle est venue pour passer le Nouvel An, of course, et puis elle est venue aussi pour faire la promotion de leur movie, Cocaine Light.
ADL, il n'y a pas seulement la musique, il n'y a pas seulement, je ne sais pas moi, d'autres choses. Il y a un film congolais qui est Cocaine Light, là où il y a des acteurs congolais qui ont fait ce film. Ça sera une soirée tapis rouge. Tapis rouge. Oui, il y aura beaucoup des célébrités qui seront là, okay. Américaines et congolaises, okay. Et même l'équipe du film. Ah, pourquoi wow. Est-ce que j'en parle maintenant? Bah, mais oui, bon, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Oui, oui. Et vous serez de retour, vous serez toujours ici. Pour oui, la projection. Je pars et puis j'en reviens. Tu reviens pour, ouais. Pour oui. La projection. Ouais. Et la grande équipe sera là. Oh, en tout cas, ouais. Ça sera quelque chose de bien et tout. Nous aurons à voir les actrices et même la communauté congolaise ici à Grand. Et partout, les gens qui habitent aux alentours ici, on a des gens à New York, les gens peuvent venir. Oui. Juste pour venir participer. Et, et déjà, par rapport aux États-Unis, la présence de Cocaine Light aux États-Unis, la première expérience, c'était au mois d'octobre. Okay. Le film avait été reçu à New York dans un festival qui était dédié au Congo. Au Congo. Oui. Wow. Je dois avouer que j'étais tellement stressé parce que je me disais, ok, c'est un film des Congolais, il y a des codes africains. Est-ce que les Américains sauront décoder ça? Est-ce qu'il y aura un public africain ce jour-là? Il se fait que ce jour-là, il y avait à peu près 90% du public qui était américain. Et après la projection du film, il y a une séance de QA. Okay. Et en échangeant avec le public, je me suis rendu compte que le public américain, non seulement avait apprécié le film, avait compris le film, et ça m'avait vraiment fait un wow. Et donc, à New York, le film a été bien reçu. Et j'espère qu'à ATL, ça sera pareil. Et donc, je compte sur vous, public de ATL. ATL. Il faut soutenir, cette œuvre, tu vois, cette œuvre du Congo démocratique. En parlant du film Cocaïne, je retourne encore au pays pendant la réalisation. Est-ce que le gouvernement, quand vous faites un film comme ça, nous aimerons un peu comprendre, le gouvernement soutient le film? Bon, déjà... C'est un grand film. Au Congo, je dois avouer qu'il n'y a pas vraiment une politique culturelle. Ok. Et, ça ne soutient pas le film. Non, et... ce qui est dommage chez nos politiciens, la plupart, le gouvernement, je peux dire, est constitué des gens qui sont, que je peux qualifier des anti-cultures, dans ce sens où la culture n'est pas soutenue, l'art n'est pas soutenu. On se bat seul pour faire asseoir les choses, et c'est dommage. Pas du tout, ouais. Ouais, c'est dommage, Et donc, ce qui est bien, c'est que nous, là, nous représentons une nouvelle génération des artistes, surtout dans le cinéma. Une nouvelle génération qui évolue comme une graine assez spéciale qui pousse partout, dans des coins désertiques, dans des coins aquatiques, rocailleux, même au-delà de la terre, nous poussons. Okay, on ne recule devant rien. Oui, ce n'est pas parce que ouais, l'Occident ne subventionne pas ou bien subventionne de manière déséquilibrée, ou le gouvernement congolais ne soutient pas, que nous, on doit croiser les bras. Non, on se bat. On se bat pour redorer l'image de notre Afrique, de notre pays. Vous savez quoi? Nous, là, tel qu'on est là, même vous, je pense, on a grandi avec l'image de l'Occident qui est au top. Pour moi, je me disais, un personnage comme John Rambo, au Congo, dès qu'il arrive, il tue tout le monde, tu vois, ouais. Et qu'ils étaient invincibles. C'est quoi? C'est la culture qui a été vendue chez nous, Africains, la culture de l'Occident, qui a été vendue de manière vraiment comme ça, quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on vend à l'Occident? Des bidons jaunes, la famine, ouais. La politique de la main tendue. Ben, oui. Ben non, nous, on doit changer les choses. Et on a commencé à le faire. Et nous faisons partie de cette génération-là consciente, qui veut redorer l'image de l'Afrique, placer l'Afrique là. Au sommet. Ouais. Au sommet. We're gonna cut to a quick trailer on Cocaine Light to see how the movie is. On y va. Imaginez un sportif qui ne s'est fait pas prendre au test antidopage. Imaginez une marchandise qui circule d'un pays à un autre sans pour autant être détectée par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Même pas par les chiens de l'aéroport. Je me suis rendu compte qu'en plus de mes erreurs, j'ai engendré un monstre. Comment? Réponds encore ça, je te pèse la gueule.
Monsieur le ministre était devenu gay. Et il est mort en toute gaieté, je suppose. Demoiselle, je t'ai aperçu là en train de me filmer et j'aimerais savoir qui t'a donné l'autorisation. Ah bon? Ah oui. Il faut une autorisation pour filmer à travers la ville. Je suis fan du cinéma. Et ça, comment votre marchandise? La cocaïne light. Ouais, cocaïne light. C'est du bon. Comment mon oncle? All right, so what was the most difficult part of the scenes from the movie that you have filmed yourselves? Quelle était la partie la plus difficile donc de la scène que vous avez jouée? Moi, je vois pas en tout cas. Tout était parfait pour moi parce que je me sentais vraiment dans ma peau. Okay. Je me sentais j'étais pas charbie. J'étais rose. Voilà, j'étais naturelle. Tu t'es incarnée oui. Dans rose. Le rôle de rose. Ouais. J'étais là, à l'aise. J'ai donné ce que j'avais. Et je trouvais ça magnifique. J'étais très à l'aise de communiquer avec tout le monde. De scènes très, très difficiles. Pour moi, je dis par rapport à moi, j'ai pas trouvé. Tu étais là à temps, donc tu étais là toute réveillée et tout, donc oui, rien n'a été. Oui, j'étais là à temps parce que quand tu t'engages de quelque chose, tu veux quelque chose et tu dois le faire jusqu'à la fin. Okay. J'étais là, je me présentais et on était très bien. Et avec, c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps, donc oui, tu te disais oui. Là, tu es dans le meilleur de toi. Oui, c'est le premier long métrage que je fais. Parce que j'ai déjà tourné un court-métrage, toujours avec Patrick. Toujours avec Patrick, oui. Wow. Et quand j'ai dit oui, bingo, long-métrage, je me suis lancée directement, j'ai pas hésité. J'ai dit à Patrick, je vais donner ce que j'ai en fait. De montrer à tout le monde de quoi je suis capable, mon talent et de donner la chance aussi à d'autres actrices qui veulent devenir actrices, mais ils ont des doutes par où commencer. Mais moi, je voulais vraiment jouer ce rôle-là et j'étais très à l'aise. Il n'y avait pas vraiment des difficultés par rapport à ça. Ok, et Patrick, il y avait des scènes, quatre scènes, là où il y avait des scènes un peu difficiles. Bon, ça n'a pas été déjà évident du moment où vous portez plusieurs casquettes. Ça n'a pas été évident. Mais bon, d'emblée comme ça, les scènes difficiles, bon, je dirais complexes à tourner, il y en a eu deux pour moi, ouais, qui étaient un peu... Alors, la première scène, c'était la scène que je peux dire... La scène, une scène chaude de sexe, ouais. Ouais, avec Charby et Diane. C'est d'ailleurs une scène qu'on a écourtée. Pour moi, en fait, c'était difficile dans ce sens où on est africain. On est africain. Et les gens interprètent oui, de plusieurs manières. En tant que metteur en scène, je m'arrange toujours à ce que les acteurs soient à l'aise, qu'il n'y ait pas des choses imposées à eux, mais qu'ils donnent ce qu'ils sentent donner facilement. Et donc, j'avais tout fait pour que chacune d'elles soit à l'aise, qu'elle se sente pas obligée de faire des choses qu'elle veulent pas faire. Donc il y a eu ça et ça a été fait sans problème. Il y a du moment où il y a eu plusieurs réalisateurs, Jimmy, oui. Divita et moi. Et la deuxième scène, c'est la scène de la course-poursuite. Okay. Ouais, scène de cascade, tout ça. C'était, pour moi, c'était très complexe, voire même difficile, dans ce sens où ça a été tourné dans un marché. Dans un marché, il y a eu plusieurs personnes. Il fallait gérer tout ce monde-là. Wow. Et on n'avait que cette journée-là pour tourner. C'est un film avec petit budget. Donc, on a dû organiser les choses vraiment au millimètre près. Et comme j'étais parmi les personnages qui devraient vraiment être en action,
J'avais une déchirure au niveau de la cuisse. Oh my God. C'était une scène un peu acrobatique. J'étais censé faire beaucoup d'acrobaties, mais j'ai dû écourter. Mais le peu que j'avais fait là, c'était avec une déchirure à la cuisse. Oh my God. Et on ne pouvait pas reporter, on ne pouvait rien faire en ce moment-là, si ce n'est que de tourner, continuer à aller jusqu'au bout. Et donc, pour moi, c'était difficile. Mais c'était le pied en même temps. Oui, hein. Ouais. Pour bien faire l'omelette, il faut casser les œufs. Hein. Ouais. Voilà. Oui, oui. Yeah. Mais ce qu'elle n'a pas dit, ouais, actuellement, là, elle est en train de produire une série. Oui. Qui va cartonner, d'ailleurs. Une série, et oui, parler de votre mérite, on l'a entendu quand vous avez élu. Hein. Patrick a parlé de quelque chose comme ça. Oui, il faut parler de ça. Félicitations. Merci. Bah oui, c'est pas facile. Elle est quand même oubliée. Bah oui, il faut parler, il faut faire du bruit. Kondo, il faut soutenir. Hier, je t'ai nominée comme en tant qu'actrice. Waouh! Meilleure actrice. Très, très, très émue. Hier, on a même fêté ça. Ah oui, il faut arroser Patrick. Ouais. Je dis un grand merci à l'équipe pour la confiance. Pour la confiance qu'ils m'ont donnée à l'heure. Donc, ça me va droit au cœur. Et je suis très contente. Parce qu'au moment où je travaillais, je jouais dans le film Le Cocaine Light, c'est le moment où j'étais pas très bien aussi. J'avais perdu mon père. Oh. Et hier, quand on m'a annoncé que j'étais meilleure actrice, j'ai eu de larmes aux yeux. Oh. Je voulais bien qu'il soit là, qu'il voit comment j'évolue. Et il me soutenait toujours. Et malheureusement, il n'est pas là. Il me manque beaucoup. J'étais pas bien moralement parce que j'avais perdu mon père. Je l'aimais beaucoup. Et du coup, on m'appelle. Son anniversaire, d'ailleurs, c'était le 28. C'était le jour de son anniversaire et c'est le même jour on vous a annoncé. Le 30, on m'appelle pour me dire que non, tu es nominée. Je dis bon. J'ai eu de larmes aux yeux. Mais paix à son âme. Paix à son âme. Mais je sais là où il est fier de moi et c'était vraiment une bonne nouvelle pour moi pour 2017. Pour 2017 et pour tu vois la production. Oui, et la production en même temps on est ici, on fait la promotion du film, ça c'était vraiment chouette pour moi. Ben ouais. Et par rapport au trophée, donc Charby a reçu le trophée de meilleure actrice hier. Oh my God. La cérémonie, c'était la cérémonie, la soirée Mongita. Okay. La soirée Mongita, je peux dire que c'est l'équivalent de la cérémonie des Oscars ici aux États-Unis, de César en France. Ouais. Et donc, oui, c'était la première édition. Okay. Donc, elle a été honorée meilleure actrice. Donc, au Cocaine Light, wow. Il y a eu aussi le trophée de meilleur acteur d'un des acteurs ayant presté dans le film, El Bas, qui c'est un grand comédien dans notre pays. Il a été donc récompensé en tant que meilleur acteur, toujours dans Cocaine Light. Dans Cocaine Light. Wow. Et par rapport à moi, j'ai eu donc cette grâce de recevoir le prix de meilleur scénario et de meilleur film. Mais ce n'était pas Cocaine Light, c'était un autre Chibaou. Chibaou. Oui, okay. Un short film dans les jours à venir. Dans les jours à venir, vous allez parler aussi des salles. C'est sur TV5. C'est sur TV5. Il y a moyen d'aller dans le site TV5 Monde, film côté sud, je crois. Et on peut le voir, le film Chibaou, ouais. Et pour ne pas être ingrat, j'en profite pour remercier l'équipe de Cocaine Light. Okay. C'est une équipe formidable qui a travaillé vraiment ensemble. On a déplacé une montagne énorme, okay, pendant pratiquement 2 ans. Et je remercie tout le monde, quoi, mes co-réalisateurs, Jimmy Tisanabo, David Divita, Walusala, mes co-producteurs, Image Drama, Patrick Alala, Uniproc, Didas, et tout le monde. Merci, et merci à vous aussi. Ok, merci aussi de venir et tout. Et pour moi, bon, je m'arrête là. Et pour tout le monde qui nous suivait à présent, et au nom de toute l'équipe qui a préparé cette réalisation, je dis merci beaucoup et à la prochaine. Et notez de bonnes choses pour tout le monde. Je vous souhaite de bonnes choses au monde, toutes les bonnes choses au monde. Bonne chose.
dépasse ton cadre.